Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre. Mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Attends! Bonjour, Sam. Sam, ici derrière le man. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilettes, etc. Utilisez-les pour vous reposer. Inspectez votre matériel. Consultez des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Sam, ici Hartman. Je suis chercheur. Je tente de percer les mystères des grèves, du Death Stranding, ainsi que ceux du Dooms et des rapatriés. Lorsque vous vous soulagez, une petite quantité de matière chirale est évacuée de votre système. La matière chirale peut perturber la sécrétion d'hormones et endommager le système nerveux. Il y a un lien direct entre l'exposition et l'apparition de phobies, voire dans certains cas extrêmes, de pulsions violentes et suicidaires. On pense même que la contamination chirale serait à l'origine de l'apparition du Dooms. Permettez-moi de récupérer un échantillon de vos excrétions pour mes recherches. Elles constituent un moyen non intrusif de surveiller votre exposition au chiralium et votre état de santé général. Salut! On s'est déjà vu, non?
C'est moi qui dirige les opérations de livraison, la maintenance et les réparations. Contente de vous avoir parmi nous. Je suis Mama, au cas où je ne l'aurais pas déjà précisé. Ce que vous voyez là, ce sont des liens. Ils ne servent pas uniquement à l'emballage, mais aussi à l'identification. Regardez de plus près, vous verrez. Vous voyez le rouge là? Eh ben c'est votre sang. Sam, ici Deadman. J'ai calibré votre bébé en fonction des données physiologiques qu'on a collectées sur vous un peu plus tôt. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez fait un tour avec, on vérifiera si vous êtes bien synchronisé et on ajustera la sensibilité du bébé en fonction. Ce réceptacle éliminera toute trace de matière chirale sur votre combinaison. En parlant de combinaison, la bleue est réservée aux livreurs, la rouge aux services médicaux, l'orange chargé de l'incinérateur mortuaire et la noire à la sécurité. Grâce à ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. First of March, it's clear to me. And if we ever break these walls, thank you.
Alors, vous avez eu le temps de réfléchir ? Il est bourré de chiralium, mais c'est sans danger pour ceux qui ont le Dooms. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour reconnecter le monde. Pour tous nous unir à nouveau. Reconnecter, créer des relais, je m'en fous. Je suis un porteur. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour sortir Amélie de là. Écoutez, Sam. Les terminaux que l'équipe d'Amélie a construits dans les villages et les villes qu'elle a traversées en allant vers l'ouest sont ce qu'on appelle des relais. L'infrastructure est là, mais le réseau chiral n'est pas activé. Pour le moment, elle n'a la possibilité de transmettre que des communications vocales, avec ou sans fil, ainsi qu'une petite quantité de données. Alors à moins que les données nécessaires ne soient stockées sur place, nos chiralgrammes ne s'affichent pas. Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez pu voir un peu partout sont des grammes, générés à partir de données locales, au cas où vous ne seriez pas au courant. Enfin bref, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le relais, connecter votre Cupidon et activer les communications chirales. Une fois que vous l'aurez connecté au terminal, vous pourrez initialiser la transmission instantanée de données massives avec le réseau des UCA. Et en une fraction de seconde, vous nous relierez non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre passé. Toutes les données perdues et fragmentées seront compilées et restaurées. C'est un peu comme ramener un dinosaure à la vie à partir d'un fossile. Nous allons retrouver les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre et tout le savoir et les connaissances que nous avons perdus lors du Death Stranding. Voilà comment nous allons procéder pour venir à bout de ce phénomène, Sam. Une fois que vous aurez établi les communications chirales, générer des grammes ne sera plus un problème. Et vous pourrez aussi utiliser les imprimantes chirales. À partir de là, nous serons très vite en mesure d'envoyer toutes sortes de choses sur le réseau. Enfin, rien d'original. Ou qui soit doté d'une âme. Rien de vrai. Uniquement des copies. C'est vrai. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin de porteurs comme vous. Il nous faudra toujours des intermédiaires, jusqu'à l'unification, mais aussi une fois qu'elle aura eu lieu. Pas de repos pour les pêcheurs, hein ? Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous aurez les détails sur le terminal de livraison. En haut, n'oubliez pas d'aller voir. La marchandise y est aussi. Vu l'état de ces chaussures, vous pensez pas qu'elles ont fait leur temps ? Ça vous embêterait si je les jetais ? Attendez, justement. Je voudrais que vous regardiez quelque chose. On dirait que mon sang a provoqué une réaction, et c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez préciser ? Quel genre de réaction ? Aucune idée. Vous m'avez prélevé du sang, non ? À vous de me le dire. Très bien. Je vais examiner ça de près. Je prendrai soin de lui. Je te promets.
bébé. Le bébé. Bébé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est papa. Est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Ont été interrompus après la dernière néantisation dans la ville relais centrale, jusqu'à maintenant. Pour cette commande, vous devez livrer un chargement de nootropes. De l'ocytocine, pour être plus précis. L'ocytocine est une substance active qui permet de réduire le stress, à tel point que certains l'appellent l'hormone de l'amour ou encore l'hormone du bonheur. Une fois que vous aurez terminé la mission, il faudra que vous connectiez la station au réseau à l'aide du Cupidon. Sam, les résumés des commandes peuvent contenir des informations essentielles à votre réussite. N'oubliez pas de les consulter avant de vous mettre en route. Sam, pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipement. Celles-ci vous seront d'une grande aide pour franchir les pentes raides, et l'échelle pourra faire office de pont de fortune si vous devez traverser une rivière. Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour apporter cette commande à destination. Thank you.
commande attribuée. Lancement du SCAG. Faites bon voyage. Sam, vous avez bien vérifié votre équipement ? Soyez prudents. Sam, vous voyez ce panneau que quelqu'un a laissé ? Vous aussi, vous pouvez en laisser comme ça. Message, avertissement, encouragement, tout ce qui vous passe par la tête.
Sam. Vous savez, même les meilleurs porteurs perdent leurs marchandises parfois. Mais vous, vous êtes le meilleur des meilleurs. Vous êtes capable de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Si jamais vous tombez sur des cargaisons abandonnées, surtout n'hésitez pas à les amener à destination. C'est plus facile que ce que vous croyez. En fait, tous nos paquets sont munis d'identifiants Bridges pour en faciliter le suivi. Et votre Dradek est équipé d'un scanner capable de détecter ces identifiants. En d'autres termes, cet appareil que vous avez sur l'épaule peut vous aider à localiser les cargaisons perdues dans la nature. N'oubliez pas, Sam. Chaque paquet représente une promesse faite à une personne dans le besoin. Et cette personne compte sur vous pour le livrer.
Passez une bonne journée. Travail, Sam. Vous avez rapporté des marchandises perdues. N'hésitez pas à les déposer ici pour qu'elles soient traitées. Si vous en trouvez d'autres pendant une course et que vous ne pensez pas pouvoir les apporter à destination, vous pouvez toujours les entreposer. Elles resteront à l'abri jusqu'à ce qu'un autre porteur vienne terminer le travail. Et même si elles doivent passer par une dizaine d'autres personnes avant d'arriver à bon port, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Votre casier privé permet d'entreposer des marchandises ou autres. Quelqu'un m'entend ?
Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. En chemin, une paroi escarpée ou une pente raide, pensez à l'échelle qu'on a ajoutée à votre équipement. N'hésitez pas à vous en servir surtout. J'ai hâte de voir ce qu'un porteur aguerri tel que vous va pouvoir lui trouver comme utilité.
Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Marchandise confirmée. Merci. Savoir ce que ça impliquait pour l'organisation, ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le cytosine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On sera à nouveau d'attaque en un rien de temps. Faites voir.
Très bien. Merci beaucoup. C'est pas idéal, mais ça nous aidera à tenir. Vous êtes de la deuxième équipe, c'est ça? Où sont les autres? Morts. Dans l'anéantisation. C'est pas vrai. Tous dans la même explosion? Et donc, ils vous ont envoyé tout seul? Enfin, si c'était une simple livraison, soit. On voit passer des porteurs de temps en temps, mais... La deuxième équipe devait nous apporter le Cupidon pour nous connecter. Ça fait 3 ans qu'on attend de l'aide. Merde, 3 ans! Et ils nous envoient un seul type de... Merde! Dites-moi au moins que vous n'avez pas apporté que le cytocine. J'ai le Cupidon. Vous... Vraiment? Alors c'est vrai? Il marche enfin? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors qu'est-ce que vous attendez? Branchez-nous à ce fichu réseau.